Arnaud Métivier, un accordéon dans un festival de jazz, c'est un peu décalé. Vous êtes un homme décalé ? Bah surtout un accordéon punk, c'est encore plus décalé. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas si c'est l'accordéon qui me fait venir ici vraiment. J'ai l'impression que c'est moi tout court. C'est moi quand je suis à poil, quand je suis tout nu. Je crois que c'est ça qui intéresse les gens, peu importe l'instrument finalement. L'accordéon pour moi n'est qu'un instrument. Ça aurait pu être un tournevis, une perceuse, une bétonneuse. Ça a été l'accordéon par hasard, hein, tout simplement. Et c'est mon outil de création. Vous faites de l'improvisation, mais vous partez quand même de quelque chose. Je pars de rien. Je pars de rien, musicalement en tout cas. Je monte sur scène avec rien, absolument rien, sauf que je suis chargé de toute la vie qu'il y a autour de moi, aujourd'hui, et puis par le passé, depuis la plus petite enfance. Je suis chargé de ça, et je crée de la musique par rapport à l'enjeu, par rapport au lieu, par rapport au public, par rapport à mes questionnements aussi. Mais il n'y a rien. Quand je mets le pied sur scène, quand je joue la première note, il n'y a rien. Il n'y a pas de projet musical. Il y a le projet d'exister, d'être vivant. Vous avez accompagné les plus grands chanteurs, vous êtes produit à travers le monde. Pourquoi accepter de revenir à Orléans au festival de jazz? Parce que Cochoyan vous a appelé, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Non, je viens ici parce que je joue peu. J'ai peu joué à Orléans sur les 25 dernières années. Et pourquoi je ne jouerai pas? Je pense que le public qui peut être sensible à ma proposition poétique, il est disséminé dans le monde, à moins d'aller le voir, mais même à Orléans. Il faut aussi venir le voir à Orléans. Il y a peut-être un gars que mon œuvre intéresse au Japon, au Brésil, et puis peut-être un à Orléans. Je dois aussi venir le voir. C'est ça qui me pousse à accepter l'invitation. Et puis, j'aime bien cette invitation. Je suis dans une soirée guitare légende, je joue pas de guitare. Je suis dans une soirée de jazz, je ne fais pas de jazz. Je fais quelque chose. Donc tout ça me pousse à venir. C'est beaucoup plus facile d'accepter que de venir dans un festival d'accordéon pour jouer de l'accordéon. Chose que je ne sais pas faire. Vous êtes solidaire des intermittents ? On a bien compris ça. Oui, je suis solidaire, effectivement. C'est pas ma principale préoccupation sur cette société. J'en ai d'autres. L'éducation, la santé, la culture, ce sont mes trois préoccupations. Quelque chose qui se désagrège. Je suis vigilant à ça, je suis en colère. Et la colère me fait créer aussi. Donc elle est bonne. Elle est bonne à prendre. Ça m'éloigne un peu des compagnons intermittents qui certains qui, eux, n'ont qu'une urgence. Moi, j'en ai plein. Je suis père de famille, je suis fils ou mari de gens malades. Et je suis papa. Et donc j'ai beaucoup de préoccupations, dont l'intermittent de spectacle. Mais moi je suis un créateur, et le créateur que je suis, il ne peut pas s'arrêter. Je ne peux pas me mettre en grève de la création. C'est pour ça que ce soir, mon acte pour dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se dessine sur l'intermittence du spectacle, mon acte il est poétique, il est dans la musique. Il n'y a pas forcément des mots pour dire quelque chose. On peut les dire en musique, on peut les dire dans une action poétique. C'est Guernica, c'est Picasso, c'est
pas toujours les mots. On doit pouvoir, nous, artistes, dire autrement que par des mots. La poésie aussi, elle est forte. Elle peut l'emporter. Vous auriez pu vous contenter d'accompagner des chanteurs pour gagner votre vie. Finalement, vous aviez envie de montrer ce que vous savez faire. C'est-à-dire que vous êtes un virtuose de l'accordéon. Oui, je crois que surtout je voulais gagner une liberté. Parce que tant que j'accompagne des chanteurs, je suis dans leur monde. Et j'ai découvert peu à peu mon monde. Et il est plus passionnant pour moi, évidemment. Je continue à accompagner des chanteurs. Parce que j'aime bien le monde des autres aussi. Mais je mets une priorité à bâtir le mien et d'inviter des artistes dans mon monde. C'est peut-être un retour de manivelle.